Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un big haul action. J'en ai quand même eu pour 115 balles. Je sais pas comment j'ai fait. Donc, on va y aller tout de suite. Je prends dans mon sac comme ça vient. Non, je vais d'abord vous montrer ce truc qui est rentré par mon sac. J'ai trouvé déjà le calendrier d'avant. C'est pas exclusif. Voilà, donc je l'ai pris, moi j'ai vu l'avant-première de la vidéo de Manon, qui est déjà sortie, donc je vous remets, elle a fait les deux unboxings, donc le spa et le Max & More, je vous mets ces deux unboxings en barre d'infos, comme ça vous pouvez les voir si jamais vous voulez vous décider avant qu'il soit en rupture, parce qu'il va être très vite en rupture vu qu'il est sorti très tôt, et on peut attaquer le sac. Alors, en bouche, normalement il y a tout dedans cette fois-ci. J'ai pris mes dips barbecue. J'adore ces chips au barbecue, c'est vraiment les meilleurs. Voilà. Des Big Cheetos, parce que les chips au fromage, c'est la vie, comme d'hab. Alors, on a pris une boîte de mouchoirs en papier, c'est toujours utile. Combien est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Une boîte de mouchoirs en papier. Et Riley ne fait que piétiner. Il fallait une latte règle pour les Français en plastique pour Georges pour l'école. On a trouvé ça, bon, des équerres et des rapporteurs, on en a un stock pas possible, mais les lattes, ils les mangent. Donc à chaque fois, on rachète ce genre de pochette parce que souvent, chez Action, en plus, ça revient moins cher d'acheter ça que la latte toute seule. Et on n'en trouvait pas des en plastique, on en a trouvé que des en métal et il n'aime pas ça. J'ai enfin trouvé la super glue bison, donc j'en ai pris deux. Deux fois deux quoi. L'autre est dans le fond du sac. Mais voilà, j'ai repris ma super glue bison et c'est la meilleure que moi j'ai pu tester. J'adore cette super glue. Pour les travaux de la salle de bain, chérie a pris un maillet en caoutchouc. Caoutchouc, silicone. Il est hyper lourd. Rubber Hammer. Anti-slip handle. Voilà. 500 grammes. Pour pouvoir mettre les carrelages et tout ça, vous savez. Voilà. Ça m'a fait rire. Le petit maillet, là, ça m'a fait rire. Ça m'a fait penser à Harley Quinn. Cherchez pas. J'ai repris les friandises XXL pour le chien, parce que c'est celle qu'il adore, et elles sont vraiment pas chères, donc j'en prends à chaque fois qu'on y va. On a repris le gros sac aussi, comme d'hab, que vous verrez après. Alors, comme il y a toujours un problème d'essuie de bain ici, j'ai dit, on va en prendre 3 par personne, donc chérie, j'en ai déjà racheté 3-4 de la même couleur. Et là, j'ai dit, enfin, pas pour moi, j'en ai pris qu'un pour mettre sous mes pieds quand je sors de la douche, parce que moi je mets un peignoir de bain, donc j'ai pas besoin d'essuie. Et je mets un turban pour mes cheveux. Oui, partisan du moindre effort, on a vu. Donc on a pris ceci, hein, c'est le modèle classique. On les a pris en... Quelle taille? Attendez, je cherche là une étiquette. En 50 par 100. Donc on a pris 3 comme ça. Ils choisiront chacun leur couleur. Et j'ai dit comme ça, vous vous démerdez avec vos machines et vos essuies. Moi j'ai pris celui-là pour mettre... en dessous de la douche, et on a trouvé des bleus marines. Voilà, comme ça ils choisiront, ils auront chacun leurs 3 essuies et ils les feront tourner en même temps que leur machine de linge, et au moins il n'y aura plus de bagarre en disant oui mais t'as piqué mon essuie, parce que là il y aura la preuve par couleur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc je sors, hein, les autres chips c'est les mêmes, je sors. Chérie s'est repris ses fameuses soucoupes. Je sais pas s'il en a pris que un ou deux. Mais il m'a dit, ah, je veux mes soucoupes. Ben, j'ai dit, non, on va manger. En rentrant des courses. Donc voilà, du coup, il les a laissés dedans. Il a rien pris. J'ai une tête, je vous raconte même pas. Je viens de me lever hein, de la sieste. Alors, j'ai repris aussi 2 paquets, mais je trouve qu'un hein, sur comme ça. Des amgas comme ça. Donc moi, je m'en sers pour la résine, pour faire fondre, enfin pour éclater les bulles de... qui remonte, mais ça se décharge vraiment très vite, hein. C'est vraiment une merde. Chérie m'a rechargé les autres, mais alors du coup l'autre il fait chalumeau, quoi. La flamme elle est comme ça.
Donc, par souci de sécurité, parce que je suis pas très douée, j'ai quand même racheté. Hein. Du coup, il a racheté une bonbonne de gaz pour recharger bah, les briquets et mes trucs qui deviennent hyper dangereux après. Je me suis repris deux lots de briquets, donc c'est deux fois le même parce qu'il n'y avait pas de modèle très joli à part ça. Voilà. Moi, j'utilise que ces briquets-là. Ceux à roulettes, j'arrive plus à les faire aller. Il y a beaucoup de bouffe. J'ai trouvé un Head and Shoulders 2 en 1 anti-Caduta. Donc, il me semble que c'est anti des démangeaisons. Anti-air loose. Ah non, anti-chute peut-être. Shampoing. Anti-pelliculaire. Oui, ça on sait, c'est du Head and Shoulders. Je sais pas marqué. Anti-airlose, ouais, donc ça doit être. Je sais plus trop si c'est anti-chute. Anti-chute ou anti-démangeaison, c'est au balsamo. Balsamo, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Alors, j'ai un poil quelque part. Donc voilà, j'ai pris. J'espère que c'est anti-démangeaison parce qu'en ce moment j'ai mon cuir chevelu dans un état pitoyable. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pris? Attendez, hein, je cherche. Ça, je vous ai déjà montré un. Pour Georges, pour l'école, parce que on a reçu un message une semaine avant la rentrée, comme quoi les cuisines étaient en panne, donc il n'y aurait pas de repas chaud. Du coup, je lui ai fait des tartines pour le jeudi et le vendredi, et il m'a dit, oh, bah, si tu veux, continue à me les faire, je veux bien. Donc, on lui a pris des jus aussi, comme ça, genre Capri Sun, vous voyez. C'est du multifruit. On lui en a repris quand même au champ, je crois, aussi, pour qu'il en ait un stock. C'est lourd. Chérie, c'est des bonbons pour Halloween. Enfin, pour manger, hein, mais c'est des bonbons d'Halloween. Il y avait plein de sortes différentes. Il m'a dit, t'as vu, j'ai trouvé plein de bonbons. Bah ouais, bah Halloween, c'est un peu la saison. Donc voilà, ils sont. C'est des petites citrouilles, mais c'est des genres Sugus, pour ceux qui connaissent, ou Fruitella plutôt. Chewy Candy, je sais pas s'il y a un parfum dedans. Ils disent pas le parfum. C'est des acides. Tiens donc. Pourtant ça n'a pas l'air d'être des acides quand on les voit emballés comme ça. Il s'est pris ça à voler, hein. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont dans le trou. Il a pris également ceux-ci qui sont des dents de chez Funny. Trolli. Voilà, c'est des dents blanches. Et ceux-ci qui sont des tout petits Friends and Family. Donc là, c'est pas Halloween, mais c'est des petits sachets. Comme ça. Mais je me demande s'il n'a pas pris plus pour Georges pour mettre dans ses caisses dalles pour l'école. Je ne sais pas. Après, chérie adore les bonbons. Donc, on est des fingles différentes ici. Moi, c'est fort salé et lui, c'est fort sucré. Alors. Pour l'école, Georges, il lui fallait également un porte-mine. Donc, on en a trouvé l'un avec quelques mines de recharge. C'est pas les meilleurs du monde, mais bon, s'il en a besoin que pour un cours par semaine, une heure par semaine, j'espère qu'il l'économisera. On lui a également repris une boîte à tartines, du coup, vu qu'il veut manger plus aux tartines. C'est une de 1 litre et demi. Elle s'ouvre comme ça, elle est bien. Elle se sépare en deux. Mais j'aurais bien aimé que le truc soit. Vous voyez, vous avez un petit truc ici que vous pouvez enlever. J'aurais bien aimé qu'on puisse le mettre ailleurs aussi. Vous voyez, pour juste séparer par exemple une petite section si on veut lui mettre un peu de légumes ou quoi. Mais bon, on l'enlèvera, c'est pas très grave. Je sais lui mettre ses tartines et même s'il prend un petit fromage ou une petite compote avec, il y a de la place. Par contre, j'ai plus de place où poser mes trucs. Les fameuses friandises pour les toutous. Voilà. Cette fois-ci, on a bien regardé, c'est des grosses. Parce que la dernière fois, on a pris des petites. On s'est fait avoir, les chiens ils râlent. Je me suis repris une boîte de gants en latex. Parce que bon, avec la résine, ça part très vite. Voilà. Normalement, j'utilisais ça que pour mes colos. Donc ça partait pas très vite. Hein, mais là, avec la résine, ça part très vite. Donc j'ai repris une boîte de sang.
Je me suis repris des écouteurs parce que les miens commencent à grésiller et compagnie. Voilà, je les prends toujours là-bas. Pourtant, ils tournent, hein, les miens. Et j'en suis contente, hein, du moment que j'entends ce que j'écoute. On a repris un déo pour Sam pour mettre dans son sac de gym. Voilà. Et chérie a repris de la sauce à l'ail. Elle est très bonne, hein, très aillée. Hein. Il a repris les graines, là, le paquet XL, parce qu'il partage avec les titis et les chichous. Voilà, vous avez plusieurs sortes. Dedans, il y a des noix et raisins secs, mais dedans, il y a des noix de. Il y a des noix de cajou, des noix de pécan, il y a du raisin sec, des amandes, des noix, des noisettes, des cacahuètes. Et voilà, et il doit partager avec tous les animaux. C'est son petit plaisir quand il rentre du travail. Il se prend une petite poignée, puis il partage dans les cages. Et avec Riley, parce qu'elle veut toujours bouffer tout ce qu'on mange, nous. J'ai pris pour tester deux top coats pour les ongles. Donc c'est du basique plus que basique, hein. Mais pour mettre sur les finitions de Fimo à la place de mettre l'acrylique, voir si ça a un meilleur rendu un peu plus shiny, un peu plus solide. Je ne sais pas comment expliquer, voir si ça travaille un peu moins sur la Fimo. Donc il faudra que j'essaye sur une petite pièce. Voilà, si jamais ça ne marche pas, je les donnerai à ma nièce qui se fait ses ongles. Enfin maintenant, elle les fait en institut, mais bon, c'est pas perdu pour mettre sur les bijoux en cacaille aussi. Voilà. J'ai pris deux trucs de fil de fer comme ça, de fil d'aluminium tout fin. Ça c'est génial, j'en avais pas, moi j'ai que de l'épais, j'avais pas trouvé du fin. Il y avait plein de couleurs différentes, moi j'ai juste pris argenté et noir parce que c'est le basique quoi, voilà. Vous avez 25 mètres, donc il y a de quoi faire quand même, hein. Le fin comme ça on en utilise beaucoup moins que le plus épais. Pareil, pour tester sur la résine et sur la Fimo, j'ai pris des paint markers. Ils marquent que ça fonctionne sur le bois, le métal et le papier. Donc je me suis dit, ça peut fonctionner également sur la Fimo et la résine, comme j'utilise l'argenté et le doré que j'ai acheté sur Temu. Vous en avez 8 à l'intérieur. Ils sont classés par couleur. J'ai pas trouvé les bleus, c'est un peu dommage. J'ai pris les verts, j'ai pris les couleurs que j'ai trouvées, hein. Donc voilà les couleurs qu'il y a dedans. Les mauves et les roses. Voilà, c'est dommage, j'ai pas trouvé les bleus. J'aurais bien aimé les trouver, mais bon. Et pour terminer, vu qu'on est déjà en septembre, je commence déjà à préparer ma liste de cadeaux de Noël, enfin mes cadeaux de Noël tout simplement. Et j'ai trouvé ça pour mes deux nièces, deux brumes Corporelle Guess. Voilà, elles étaient vraiment pas chères et je pense que ça leur fera plaisir. Donc on verra bien. Fragrance, c'est des 250 ml, donc c'est pas des petits formats non plus. Je les ai pas sentis, on n'avait pas d'ouvert, donc moi je ne suis pas du genre à ouvrir les flacons qui ne sont pas déjà ouverts. Il n'y avait pas de testeur hein, quand c'est des trucs de marque comme ça. Voilà, ils disent pas. Ici c'est le Sunkist et le I'm Yours. Voilà, ce qui conclut mon haul action. J'espère que ça leur fera plaisir. D'ailleurs, je vais pouvoir les laisser ici pour mettre de côté pour Noël. Comme ça, on a déjà quelques petits cadeaux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous avez trouvés ou des trucs du coup que vous allez chercher après. Et voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est un haul, je ne peux pas vous mettre le lien en barre d'infos vu que c'est action. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.